Ben, je m'appelle Jean-Baptiste Chauvin, j'ai 33 ans. Je suis le préparateur physique de l'équipe Magnus des Rapaces de Gap et leur responsable matériel. Comment je suis venu au hockey? C'est quand mes parents sont arrivés sur Gap en fait. À la base, je jouais au rugby et je voulais faire un sport de contact. Et tout naturellement, à Gap, c'était le hockey sur glace. J'ai commencé à l'école de hockey avec Charlot, comme je pense tous les jeunes hockeyeurs gapensais. Ensuite, bah, j'ai fait mes classes dans toutes les catégories à Gap, jusqu'à l'équipe senior. On ne pouvait pas suivre le Master Staps sur Gap, donc je suis parti faire mes études en management du sport sur Marseille. C'est là que j'ai mis entre parenthèses le jeu. Et au bout de 10 ans, j'avais envie de revenir au sport et vraiment à la pratique du sport. Donc j'ai fait une certification en préparation physique. Pour coupler bah, les diplômes d'entraîneur que j'avais passé à l'époque, étant plus jeune, puisque j'ai commencé à entraîner sur la glace quand j'avais 16 ans. Et donc suite à cette certification en préparation physique, j'ai tout d'abord commencé à Lyon, en Division 1, où j'ai eu la chance d'aller jusqu'en finale de Division 1. On a d'ailleurs perdu contre Nicolas Appart en finale, puisqu'à l'époque il jouait à Brest. Et suite à cette aventure sur Lyon, bah, j'ai été contacté par le président de l'époque, donc Georges Obninski, qui cherchait un préparateur physique et un entraîneur pour le club. Donc je suis revenu sur Gap. Mon rôle dans l'équipe première, c'est nounou de 25 joueurs. Je dois m'assurer que, bah, premièrement, en tant que préparateur physique, c'est faire en sorte de les préparer au mieux pour les matchs tout au long de la saison. M'assurer qu'il y ait le moins de blessures possible et que les joueurs puissent donner leur 100% sur la glace. Mais c'est aussi de pouvoir faire en sorte qu'ils reviennent le plus rapidement au jeu en cas de blessure. Ensuite, en tant que chef matos, bah, ça va être de préparer toutes les commandes de matériel en pré-saison. Et tout au long de la saison, bah, organiser les déplacements avec le team leader. Ma semaine type, elle commence tôt le matin. Il faut que je m'efforce d'arriver avant les joueurs au vestiaire, tous les matins avant l'entraînement, donc histoire de leur préparer toutes leurs petites habitudes, m'assurer qu'il y a tout ce qu'il faut dans le vestiaire, préparer le café, m'assurer que les lessives soient faites pour les sous-vêtements des joueurs. En général, on attaque avec une séance de prépa physique. Donc je m'organise pour réaliser la séance. Les joueurs montent sur la glace. Je peux m'occuper de tout ce qui est organisation des déplacements pendant l'entraînement sur glace. Et par la suite, bah, au retour des joueurs, c'est stretching. C'est comme ça à peu près du lundi au vendredi et puis samedi c'est les week-ends de match quoi. Le mot de la fin, ça va être pour les supporters et tous les gens qui viennent au match. Continuez à faire du bruit comme vous avez pu le faire depuis le début de la saison parce que c'est vraiment très agréable de jouer dans une patinoire qui est pleine. Sentir le public derrière nous, c'est vraiment quelque chose qui porte les joueurs. Une actrice préférée, Renée Zellweger. Comme j'ai dit, je suis nounou de 25 joueurs, donc j'ai pas le temps d'avoir des hobbies. Un groupe de musique, Bob Bissonnette. Le plus chiant pour le matos, Nick Parr.